Vous écoutez le Libre Journal de la vie française, dirigé par Laurent Poultier-Duménil, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 6 août 2019, de 18h à 21h et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie.fr. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce nouveau libre journal de la vie française. Alors, bah écoutez, libre journal qui sera haut en spiritualité ou en esprit. Alors, euh, à commencer par euh, notre premier invité, j'ai appelé ça Histoire d'une âme, euh, chère Véronique Lévy, euh, parce, à la lecture de votre ouvrage. J'ai cherché, cherché des titres, pas possible. Mmh. J'ai cherché, moi qui suis un homme de la communication, quelque chose d'accrochant euh, pour nos auditeurs. Et puis finalement, je me suis dit, non, allez, je laisse tout tomber et je euh, traduis ce que moi j'ai ressenti. Donc c'est histoire d'une âme. Voilà, Véronique Lévy, donc bonsoir. bonsoir. Vous êtes écrivain, j'ai rajouté philosophe. Ah oh non, non, non. Ah non. Si, 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 à la lecture de votre oh ouvrage, oh, je le prouverai. Moi... Non, mais je moi, je, 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 je rejette ce terme parce que... J'aurais même témoin. pu dire politique. Ah. Dans votre ouvrage, on trouve de la politique. Euh, et vous êtes donc auteur de, bah, du fameux ouvrage dont je parlais qui s'appelle Jésus-Christ ou les robots. Alors le titre, là pour le coup, c'est de la com. Il peut vraiment surprendre. Mais on en parlera, il se justifie pleinement. D'abord par l'introduction que vous en avez faite, et puis même dans la philosophie quelque part. Philosophie. Que l'on peut retrouver dans votre ouvrage. Véronique Lévy, on vous connaît mieux à travers évidemment votre frère, qui est un certain Bernard-Henri Lévy. Alors, ma question tout de suite, c'est Bernard-Henri Lévy, il est de confession quoi <laughs> Écoutez, j'en sais rien. Vous, à l'origine, vous étiez une conf de confession Écoutez, quoi Écoutez, moi, je dirais que. Pour être véritablement juif et accompli, il faut être chrétien. Et je fais la distinction en cela entre le, christian, le judaïsme des origines qu'on appelle le peuple de la Première Alliance et un judaïsme qui se dit juif euh, et qui ne le sont pas, comme dit l'Apocalypse. Et je ne rajouterai pas la, la phrase qui suit parce qu'elle est un petit peu... Voilà, bref. En fait, je dirais qu'aujourd'hui. Donc, à l'origine, euh, vous avez reçu. Euh, ma, ma question, elle est peut-être mal formulée. Oui. À l'origine, vous avez reçu une. une euh... Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Mon ah, père était, mon père avait euh, un père euh, religieux et, et on pourrait dire un un juif fondamentaliste hein, son, mon grand-père paternel mais mon père lui-même euh, était ce qu'on peut appeler euh, un amoureux de la République. Or moi je ne suis pas du tout amoureuse de la République et votre maman, que la religion je suis pardon, je, vais dire, je suis oui, amoureuse pardon. de la de la France. Bah, de on la en Fran... parler après tout voilà. ça. Alors ma moi, mère c'est planter le décor comprendre qui vous êtes. D'accord. Faire Donc... comprendre à qui vous êtes à nos auditeurs. Bien sûr. Donc, Donc ma... votre maman. Ma mère euh, était elle aussi de je dirais que ses parents étaient, étaient juifs, mais enfin, euh, elle n'était pas spécialement, euh, elle n'était pas pratiquante du tout non plus. Et euh, elle, avait, euh, elle faisait étrangement parfois référence à des phrases des évangiles. Quant à mon père, euh, même s'il n'était pas pratiquant, il s'inscrivait quand même, je le pense, sûr, de dans, manière, une dans une tradition, de manière, je dirais, euh, un, implicite. Comme par exemple euh, ce. Ces instants, par exemple, ces petits moments où il me disait, n'oublie pas que tu es issu d'une des douze tribus. Et quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que c'était la seule tribu qui ne possédait pas de terre en territoire, pas de territoire. Et l'éternel lui dit, ton territoire, ce sera moi, ce sera l'éternel. Donc, ça éclaire beaucoup de choses. Donc, peut-on euh, voilà, quant à mon donc mon frère en ce sens est infidèle à la vocation sacerdotale de ses ancêtres puisqu'ils sont habilités à ne pas avoir de terre et que il est euh, pro-israélien donc il euh, y a un souci en fait bon, son alors, territoire ça, devrait être ça c'est un autre sujet je voilà. non, mais je, je comprends je comprends je votre quand même. alors moi je reviens donc à l'origine de votre finalement vous avez Conversion, j'allais dire. Vous êtes, vous êtes converti. Comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez trouvé, vous qui avez été élevé quand même, donc dans une tradition plutôt judaïque Comment est-ce que vous êtes arrivé à finalement à rencontrer le Christ Je répète que je n'ai pas été élevé dans une tradition judaïque, que ça passait influence, par influence, euh, pas par... vraiment. Ça ferait plaisir aux gens, mais mon père était non, surtout bon. euh, vraiment un amoureux de la République. Je le répète et de la laïcité. Donc euh, on ne montrait pas non plus. Mais c'est vrai que le judaïsme était là, présent, bon. voilà, euh, de manière implicite. Alors moi, ce qui s'est passé, il était là, mais vous vous êtes tourné vers le vers, euh, vers la religion catholique. Bah, vous savez les les Juifs qui ne sont pas, euh, comment dire, orthodoxes sont euh, avant tout. Enfin, je veux dire, ils, on n'était pas dans un dans un ghetto, si vous voulez. Donc, on était. Moi, je, moi, j'ai été, j'ai vécu de, de multiples influences. Donc, l'influence républicaine, mais l'influence aussi, surtout, qui est très prégnante et qui l'était encore et qui l'est malgré tout, euh, de cette France éternelle dont les racines sont chrétiennes. Donc, David dit aussi, si on remonte très loin, hein, puisque le à la Fondation, en faite à Lyon, le premier, le premier est, je veux dire, Saint Jean euh, donne l'apostolat à Saint Polycarpe, qu'il remet à Saint... Comme, pardon, à l'évêque de Lyon, à l'époque. Non, mais c'est important, Grégoire de Nice. Donc ça veut dire que... Je vais revenir, je suis désolée sur ma oui. question d'origine. Oui. Comment est-ce que vous en êtes venu à suivre, à vous convertir ça s'est fait, euh, ça fait euh, très tôt, en fait, par euh, cet enfant dont je parle dans, votre dans le livre. Et euh, le titre. Cette petite fille, qui a, à l'âge de 3 ans, vous dites que vous, voilà. vous discutez avec elle Non, nous avions 3 ans toutes les deux. Oui. Cet enfant euh, m'emmène en, dans un lieu désert et me lance cette injonction Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. D'où le titre de mon livre. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elle vous sort ça tout d'un coup Je n'en sais rien. Donc, cette, cette... Et ça, ça vous a marqué ad vita aeternam Ça m'a absolument marqué, euh, ça m'a marqué absolument. Euh, au fer rouge, et cette phrase, euh, j'en ignore le sens, bien évidemment. Un enfant se pose beaucoup de questions, mais pour le coup, là, je me suis simplement dit c'est Jésus, c'est une question de vie ou de mort euh, si c'est pas lui, c'est les robots. Et si c'est les robots, euh, c'est euh, ils vont me dévorer. Donc en fait, la, le premier acte de foi que j'ai posé, étant enfant, c'est de sauver les petits êtres sans parole, et qui étaient les fourmis, les abeilles, les, les araignées, enfin, tous les tous les petits insectes. Je les sauvais de la noyade, puisque c'était au bord de la mer, et j'offrais leur vie sauvée au Christ en disant Regarde Jésus, ce que je fais pour toi. Mais sans le connaître bah, je le connaissais puisque cet enfant m'avait dit si tu ne crois pas en Jésus tu seras emporté par les robots. Ah, elle m'a offert. Elle, on vous donne le nom de Jésus, c'est tout, c'est tout ce que vous en connaissiez. Ben attendez, elle m'a offert un crucifix donc ah. euh, sur ce crucifix euh, rien que quand on regarde cet homme de douleur sur le crucifix, je crois qu'on peut d'une certaine manière, je dirais pas le connaître, mais en tout cas euh, déjà oui un peu le connaître parce que c'est euh, extrêmement fort cet homme. Euh, fixé sur cette croix avec les bras ouverts, ouverts aux quatre horizons euh... alors justement je me permets de vous interrompre à chaque fois mais ce que je veux c'est vraiment essayer de, de comprendre votre trajet euh, ce crucifix donc vous l'aviez dans votre famille votre famille non cet enfant m'offre ce crucifix oui. je, le, je, le, je garder, le prends je le mets dans garder. ma petite boîte à trésor d'enfants ah, d'accord donc personne ne sait dans votre famille que vous avez un crucifix non, enfin, je veux dire, c'est mon petit secret d'enfant, voilà. C'est pas non plus un tabou, hein. Ma mère n'était pas, mes parents n'étaient pas anti-chrétiens, vous savez. Hein. Non, mais je parle pas d'être anti-chrétien, oui, mais mais je euh... parle de questions qui auraient pu oui, se poser, d'échanges euh... qui auraient pu se poser. Non mais c'est vrai, avec 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 vrai que je le cachais pas ostensiblement, mais c'est vrai que je le... C'était mon, mon jardin secret, en fait. C'était mon, mon lieu, Alors, euh, voilà. euh, vous aviez des frères et sœurs donc, un frère, oui, ça on s'en doute, mais vous aviez d'autres frères et sœurs J'avais deux frères, oui. Deux frères Oui. Pourquoi j'avais Je ne sais pas. Ah oui. bon, d'accord, vous avez toujours Oui, bien sûr. D'accord. Et, et votre autre frère Alors, évidemment, il y a Bernard, on ne va pas en parler, Bernard-Henri. Et, et votre autre frère Je ne souhaite pas trop, ah si, bon, excusez-moi. Je ne souhaitais oh, pas bon. en parler. Non, enfin il a eu, j'en parlerai tout à l'heure, mais là, euh, éventuellement, si on aborde le sujet de Vincent Lambert. Mais pour l'instant, voilà un... Vous êtes la seule qui, qui, qui ait fait ce parcours ou... Oui, je C'était euh, ça ma question. Voilà, je suis la seule qui ait fait ce parcours. Ce euh, n'est pas un parcours, c'est une rencontre. Donc, euh, je dirais vraiment... Euh, elle, elle paraît ne pas être foudroyante, mais elle l'est, parce que cette injonction Jésus-Christ ou les robots, c'est absolument... Euh, alors, mmh. excusez-moi, elle est foudroyante depuis le début, ou alors elle, elle s'est révélée tout d'un coup à un moment déterminé de votre vie En fait, ça s'est fait progressivement, mais euh, c'est foudroyant dans le sens que c'était euh, souvent des injonctions. Par exemple, cet enfant qui me disait cette phrase, ensuite, plus tard, je saute des années, un songe, ou... Je suis encerclée, recouverte d'un épais euh, tissu noir, comme un, comme, un, comme un suaire noir, qui me recouvre de la tête aux pieds, encerclée par des hommes, je m'arrache à ce cercle, j'étais en danger de mort, et là je m'écroule à bout de force, et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale, les portes s'ouvrent, je me précipite à l'intérieur, et là j'entends les battements d'un cœur, comme si j'étais à l'intérieur d'un ventre maternel. Et quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix qui me regarde, les bras, ses bras se décrochent de la croix et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et de ses deux mains transpercées sortent deux épées qui me traverse la nef et transperce mon cœur. Là, je me réveille euh, et foudroyant parce que ça a été un, là encore une, une phrase qui s'avérait être une phrase du prophète Ézéchiel que je découvrirai plus tard, euh, beaucoup plus tard euh, à ma conversion, enfin à mon catéchuménat. Et euh, là aussi, si vous voulez, euh, j'étais marquée d'un amour euh, que je chercherais euh, depuis... Plus tard et que je ne retrouverai, enfin, je ne jamais un amour, un amour d'une telle d'une telle intensité. Voilà. Alors ça, vous aviez quel âge à peu près J'étais l'adolescence, je crois. Voilà, Alors vous avez parlé de votre catuména. catumena. Ah, oh là, je vais y arriver. Euh, de... euh, ça, s'est ça, ça passé à quel moment de, de votre vie Le catumena, écoutez, en fait, donc il y a eu de l'enfance jusqu'à l'entrée dans l'Église, toute une série de de songes plus euh, étonnants les uns que les autres. Et puis, il euh, y a eu effectivement l'entrée dans l'Église qui s'est faite suite, à une, euh, suite à, à une incarnation, je dirais, de l'amour, où j'ai rencontré un homme que j'ai profondément aimé et où il y a eu une, une espèce d'unité. Vous étiez déjà catéchumène ou pas Non, encore pas du tout. Dans une unité profonde entre le corps, le cœur, l'esprit. Euh, pour la première fois, il y avait cette unité profonde. De il n'y avait pas cette séparation. Parce qu'on est dans un monde en fait où on voudrait un peu séparer, on voudrait pas un peu, on voudrait où on est. Il y a une propagande qui vise à séparer comme ça l'amour de sa source, le corps de l'esprit. Et moi, dans cet amour-là, j'ai trouvé cette incarnation d'un être fragile, d'un être. Était... et qui avait un visage d'icône. Et cet homme préparait son baptême, m'a emmené à l'église Saint-Gervais, et là. Quand je suis arrivée dans cette église, je me suis tout de suite approchée de la croix et j'ai eu la sensation d'être arrivée au port de mon désir, comme dit le psaume. Et peu de temps après, cette histoire, malheureusement, c'est enfin, malheureusement, c'est c'est terminé. C'est terminé, mais c'est terminé pour s'ouvrir et pour. Euh, pour s'ouvrir sur un amour bien plus grand, cet amour qu'au fond je cherchais à travers cet homme et à travers toute ma vie cabossée d'avant, parce que juste avant de rencontrer cet homme, j'avais une vie euh, non pas corrompue, comme on dit certains journalistes, mais d'errance, hein, où j'allais, euh, où j'avais un cœur d'artichaut, où, enfin, où je sortais la nuit, je, dans, 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 dans des lieux pas forcément toujours recommandables, de la Bastille, euh, des endroits, voilà. Et après tout ça, il euh, y a eu cet, cet amour qui m'a euh, fait comprendre que. À la Chambre de Foucault, un peu Chaque histoire est différente, mais. tout, en oui, tout ça, cas je... toutes, mais enfin bon, il y a quand même, y a quand même oui, des, y a... des similitudes d'une de, de vie, enfin, vie à une autre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu dans cet amour une unification et une incarnation. C'est-à-dire que la rencontre, effectivement, avec Dieu n'est pas une. Ce n'est pas une une idée. Il y a quelque chose de l'ordre de d'une rencontre fulgurante, mais qui parfois passe aussi par euh, qui passe aussi par notre humanité. Euh, Je reviens sur votre Katumena et, et ça a duré combien de temps Ça a duré un an et demi. Un an et demi. Et donc ça a été une véritable conversion pour vous. Ou une envie, véritable découverte. Et j'ai envie de dire que la conversion, étrangement. Elle était déjà là en germe. C'est pour ça que repris, je me suis voilà, repris et j'ai dit « ou, ou découverte ». Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette conversion était là en germe par la phrase de cette petite fille qui avait planté la petite graine. C'est pour cette raison que je l'appelle la, la jardinière du Seigneur. Et puis par tous ces songes, dont celui que je vous ai raconté, où le Seigneur m'a véritablement harponné le cœur. Et là, c'est effectivement une entrée dans la famille, de, les, dans le corps du Christ qu'est l'Église dans ce corps spirituel du Christ est l'Église euh, voilà et qui et qui m'a fait en fait euh, découvrir je dirais la Parole de Dieu parce que cette Parole de Dieu je ne la connaissais je la connaissais mal sauf à travers des psaumes qui ont été lus le jour, euh, quelques temps après la mort de mon père, euh, quand, quand le corps de mon père a été euh, était exposé dans la, dans le fun au funérarium. après le catechuménat ou pas Non, avant le catechuménat, lorsque le corps de mon père était exposé au funérarium, c'était bien avant. Euh, là, le rabbin avait lu effectivement le psaume 139 et donc je n'avais euh, que cette... Euh, je n'avais que cette expérience-là de la parole de Dieu, puisque je, je l'ai entendue là pour la première fois. Et donc, quand je rentre dans l'église des années plus tard, et que, à l'église Saint-Gervais, qui est une communauté monastique où les, les, les frères et les sœurs euh, chantent les psaumes tous les jours, à chaque liturgie, là, je découvre euh, la parole de Dieu, je découvre ce, cette parole qui est vraiment un... Ça, ça c'est avant ou après Excusez-moi, mais j'ai besoin, comme, moi, comme point de repère, euh, j'ai pris votre catéchuménat. C'est pendant le catéchuménat. C'est au pendant... moment où je découvre, où je rentre dans l'église. Donc, je prépare mon catéchuménat, je rentre à l'église Saint-Gervais, je découvre la parole du Christ, j'entends les psaumes, je, 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 je découvre cette parole qui est un glaive à double tranchant. Et là, tout s'illumine. Et là, je comprends que. Que je suis dans, dans, dans la maison, quoi, dans la, vraiment la maison qui est, qui est, qui est la maison de l'homme, qui est la parole de Dieu, qui habite, qui habite, qui doit habiter l'homme et qui, que l'homme doit, doit laisser pénétrer en lui pour que cette parole, qui est un glaive à double tranchant, sépare ce qui est de, de la vie et ce qui est pour la mort. Ce qui est, et, et je le dis au sens Profond du terme. Votre catéchuménat, il se déroule comment Est-ce que c'est une communauté qui vous, euh, qui vous accompagne Est-ce que c'est un prêtre qui vous accompagne Est-ce que ce sont des parrains et marraines qui vous accompagnent Écoutez, la communauté, c'est l'église, le, donc la commune, la, les fraternités monastiques de Jérusalem dont je vous, la question, dont je que je vous parle. Ce oui. sont les, les moines de Saint-Gervais et le père Pierre-Marie Delfieux, qui est le fondateur, qui m'a effectivement accueilli dans cette, dans, cette, dans cette église avec la sœur Catherine. Mais tout ça, je le raconte dans mon premier livre, si vous voulez. Et je l'ai déjà beaucoup. Alors, on peut peut-être euh, rappeler le titre de votre premier ouvrage Montre-moi ton visage. Voilà. Aux, édite, aux éditions. Du cerf, toujours. Et le deuxième s'appelle Adoration, et celui-ci, Jésus-Christ ou les robots, en fait, euh, survole très vite. Euh, enfin, parle de cet enfant, mais très vite, on entre dans le ah sujet. Bon, on rentre tout de suite dans le sujet, même. Oui. Voilà, qui est urgent et qui est, et qui est je dirais, euh, plus qu'urgent, qui est vital aujourd'hui, qui est euh, les temps apocalyptiques dans lesquels nous sommes. De formation, vous êtes quoi quelle, quelle, quelle formation vous avez suivie Quel métier vous vouliez faire alors, Alors j'ai voulu être infirmière. Euh, j'ai pas de, j'ai eu mon bac et c'est tout. J'ai pas de formation particulière et euh, j'ai voulu être infirmière. J'ai pas eu le concours. Enfin, j'étais très vélitaire et je n'ai pas donc de formation spécifique. j'ai travaillais dans ici et là, mais je, bon voilà, je ne souhaite pas forcément. Euh... Et voilà je voudrais quand même la rentrer dans le dans le sujet si je peux si me permettre ce qui est intéressant c'est ce que je souhaite moi c'est arriver à comprendre qui vous êtes à comprendre vous votre savez, démarche peu pour pouvoir parler je... du sujet oui mais je pense que l'essentiel c'est de parler du Christ euh, et de et de de cette urgence de la conversion euh, aujourd'hui euh, qui ne peut passer que par lui et que par euh, cette quête de la vérité. La vérité vous rendra libre, hein, a-t-il dit. Et donc effectivement, j'ai voulu être infirmière. Pourquoi Parce que c'est un métier où on soigne les, les petits. J'ai Comédienne, à un moment, parce qu'il y avait cette idée de l'incarnation, d'incarner des personnages. Donc, toujours cette idée de l'incarnation et du soin. Voilà. Et euh, je n'ai pas. Vous m'avez parlé. De, vous m'avez dit que vous trouviez que j'avais un côté philosophe, dans le sens peut-être d'aimer la sagesse. La sagesse étant euh, dans le. Il y a beaucoup livre. de réflexions dans votre ouvrage. C'est pour ça sont... que je vous ai Oui, posé ma question. mais ce sont surtout des témoignages. Le témoin. Ah, il, y a plus que des... il y a plus que des témoignages. Mm. Attendez, je peux, en... je peux en prendre. Mais, hein, ce, je... sont... mais ce sont des témoignages. C'est-à-dire que je ne suis pas pas dans une quête ou dans une parole qui est intellectuelle. Je suis dans une parole d'urgence. Il y a vraiment de la réflexion. Le 22 août 2018, euh, vous vous parlez de justement de de l'affaire du, du Bataclan euh, et vous vous citez à juste titre ce chanteur. Je vous lis, hein. Adam a inventé le péché, mais c'est son fils qui l'a breveté. Les frontières sont-elles tracées par des soldats ou en vérité tracées par des banquiers L'histoire est racontée par une bande de mythos euh, qui vendraient du déo à la Vénus de Milo, euh, qui ne visent que les zones du plaisir de nos cerveaux. Finalement, c'est peut-être les épines qui ont des roses. Ce texte, je vous lis toujours, est extrait de Storyteller, le dernier album de Medine, programmé au Bataclan. Le 19 et le 20 octobre. Le rappeur est accusé de prêcher la haine. Il s'en défend. Bon, après, je, je, je passe. Mais ça, il y a une vraie réflexion. Non, derrière ce que je voudrais ça. dire, c'est que ce rappeur, oui. d'abord, ne présentait pas l'album G.A. de Bataclan, mais Storyteller. Oui. C'est une lettre parmi plein d'autres textes. Mais c'est pour dire que à travers ce texte de rap, il y a une interrogation sur la laïcité aussi, et sur ce, cette société consumériste qui essaye de déraciner le, euh, Dieu du cœur de l'homme. Et ce que j'ai donc voulu montrer dans ce texte, tout en condamnant euh, certaines provocations de Médine, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui une quête de Dieu qui n'est pas euh, qui n'est pas on a voulu mettre Dieu à la porte, en fait. Et donc, quand vous parlez de réflexion, moi, je parle de témoignage parce que ce livre, euh, bien sûr, que il y a des réflexions, puisqu'on a, un... voilà. Il y a une, forcément qu y a, qu y a des questions et des réponses. Enfin, des questions, pas de réponses forcément, mais des questions. Mais en tout cas, c'est un témoignage parce que j'ai la conviction profonde qui me tient aux entrailles que aujourd'hui on doit se battre contre cette atteinte à la sainte paternité de Dieu qui aujourd'hui est attaquée euh, par des lois bioéthiques, par une société consumériste, par une société... Eugéniste, euh, qui condamne sans cesse euh, certaines. Euh, qui condamne beaucoup. Euh, comment dire. Qui, qui, qui condamne sans cesse euh, euh, le manque de tolérance, dit-elle, mais qui elle-même ne, ne, ne respecte absolument pas l'homme dans ses fragilités, dans ses différences et dans son handicap en général, et au moment les plus importants qui sont les extrémités de la vie, donc in utero et bien évidemment ex-hétéro, comme on l'a vu avec l'histoire de Vincent Lambert. Donc même s'il a d'ailleurs des... dire un petit mot sur euh, oui, l'histoire de Vincent Lambert Vous m'aviez demandé... Absolument, j'en parlerai. Et donc, cette phrase de l'enfant Jésus-Christ ou les robots, c'est une injonction qui est une phrase prophétique, comme savent le dire les enfants. Et euh, cette phrase, elle prend son sens. Bien sûr, pendant le catéchuménat, où les choses s'éclairent petit à petit, et puis par les événements de la vie, les événements, euh, euh, les événements politiques et surtout euh, euh, de, de, de toutes ces lois bioéthiques, qui sont absolument euh, des lois, euh, je dirais, qui, 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 j'ose le dire, hein, qui, qui, qui sont comme une. qui, qui sont d'une forme de... Qui s'entoure d'une propagande en plus et qui euh, vise l'humanité. Parce qu'en fait. Sont profondément matérialiste. Comme vous le dites. Matérialiste. Il y a le consumérisme d'un côté, parce que tout est ordonné à cela, euh, à des lobbies de la mort, à des lobbies, euh, voilà. Mais il y a. Enfin, euh, il ne faut, faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'on prend toujours. On se sert toujours d'un cas particulier, d'un prétexte. On dit toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions pour, en fait promouvoir des lois qui vont servir le consumérisme. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la PMA et euh, des enfants pour toutes. Et on va euh, surtout... Euh, enfin, la manif pour tous se prépare surtout à euh, manifester contre euh, l'idée d'un enfant sans père. Oui, bien sûr, mais l'enfant sans père, il est, je dirais, en deçà de tout ça. Quand on touche à la, à la paternité de Dieu par des lois sur le clonage thérapeutique, Dès 1999, au fameux, le fameux, la fameuse année de la tempête terrible qui a décimé euh, des millions d'arbres en France, Lionel Jospin, le 24 décembre, a signé, 1999, a, signé un, un, a validé une loi qui, enfin, qui s'était proposée en 1994 et a validé cette loi, qui est une loi autorisant le clonage thérapeutique. Et depuis 2013, le clonage reproductif est autorisé. Et ça, on ne le dit pas. Alors, vous pas... avez même ça, cité d'ailleurs, vous parlez à un moment de l'avortement, de vous en parlez dans des mots qui sont assez terribles, il faut être honnête, mais, mais très réalistes, euh, en disant qu'on prend même, alors je ne sais pas si j'ai gardé la page, qu'on prend même le fœtus. Euh, euh, Est-ce que je vais le retrouver Disons que. Euh, Au-delà de la... Ce n'est pas les femmes qui font ça que je condamne, parce non. que les femmes qui ont recours à l'avortement sont marquées. Non, non, mais vous parlez euh... justement de l'homme qui devient vraiment, du corps de l'homme qui devient objet, enfin qui bah, devient... Le, le, oui, le corps de l'homme, cest à qu'il faut savoir que le l'embryon, le, quand il est, il y a eu ce scandale du planning familial aux états unis où l'enfant, euh, les bébés euh, sont, peuvent être avortés jusqu'à la naissance, et cet enfant avorté était, était découpé euh, en pièces détachées et vendu à des laboratoires pharmaceutiques. Et c'est une histoire vraie. Euh, c'est une histoire qui est sortie dans le Figaro, dans le Nouvel Obs. Eugénie Bastier en a parlé dans Adieu Mademoiselle. Il y a des documents très spécial, précis là-dessus. Quant à l'avortement, si vous voulez, euh, on a pris pour, euh, pour asseoir cette loi euh, l'histoire d'une jeune fille à l'époque qui avait été violée. Euh, et puis, bah, on monte cette histoire en exergue. Et puis, ça justifie ensuite 10 millions d'avortements depuis la loi Veil. Non. Qu'est-ce que c'est que défendre Moi, je ne suis pas contre l'avortement. Je suis pour. Les enfants qui n'ont pas la voix. Je suis pour les plus minuscules. De la même manière que toute petite, je sauvais les fourmis et les, les, les animaux sans parole. Là, je, je me bats contre bien. C'est pour ça que je vous ai posé la question de votre métier, qui était de oui. vouloir sauver déjà les gens. Vous avez voulu sauver, commencer par sauver les, les insectes, les animaux. Après, vous avez voulu sauver l'homme à travers le corps et c'est pour ça que je vous ai posé la question. Non mais bien, et maintenant vous voulez sauver l'homme à travers l'âme. Il y a une évolution. Je ne veux qui pas, pas sauver l'homme. Seul, seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Donc moi je ne sauve personne. Je vais simplement euh, dire. Vous voudriez que l'homme soit sauvé, pardon. Voilà. C'est une nuance non, importante. Non mais c'est très important parce que comme absolument. Écrit, vous avez raison. Euh, C'est-à-dire que je voudrais surtout Annoncer, comme disait la petite Bernadette, je ne suis pas venue vous convaincre, mais vous l'annoncer. Annoncer, à temps, à contretemps, les évangiles, ça n'est pas rabattre les oreilles de dogmes poussiéreux, c'est parler de cette extraordinaire nouveauté, <coughs> nouveauté et pas modernité, cette révolution dans le sens plénier étymologique du terme qui est le retour à une source et ce retour à cette source c'est la source de vie c'est la source de l'incommensurable amour et inconditionnel amour dont Dieu nous a gravé à la naissance dès la naissance donc euh, le clonage et j'en reviens là j'en reviens là-dessus il y a l'avortement mais il y a aussi le clonage dont on parle moins dont on parle peu je ne sais pas pour quelle raison. Le clonage, c'est fabriquer un être humain en série, une copie. Il n'y aura plus le deux, les deux patrimoines génétiques de l'homme et de la femme. Il n'y aura plus cette rencontre extraordinaire dans le lieu saint de la conception, dans le sanctuaire, où, les deux, où il y a altérité, du don. Non, il y aura tout à coup une copie, un homme copié. C'est grave. Non mais un homme né de l'homme. Les Japonais ont autorisé le. Le, la recherche enfin d'un clonage entre l'homme et l'animal ce qui est Absolument. extrêmement grave c'est très très grave, extrêmement grave. on n'a plus de limite maintenant mais en france aussi en europe aussi je n'ai pas les dates exactes mais bien sûr que ça existe aussi alors aujourd'hui si vous voulez le clonage même reproductif euh, je crois est autorisé jusqu'au 14e jour mais les questions l'autoriser à partir du 14e jour et qui dit clonage à partir du 14e jour enfin jusqu'au 14e jour dit qu'on pourra réimplanter cet embryon cloné dans l'utérus d'une femme ou dans un utérus artificiel, et on travaille là-dessus aujourd'hui, les scientifiques travaillent là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je ne suis pas une scientifique, je suis là pour dire que ce livre, Jésus-Christ ou les robots, parle de cela, parle de cette guerre, Alors, de je... cette, pardon, cette troisième oui. guerre mondiale presque, qui est une guerre totalitaire, une guerre virale, une guerre dans le cœur nucléaire et le génome de l'homme, hein, qui est vraiment... Et je voudrais citer Jean-Paul II, après je, je vous laisse poser l'autre question, mais c'est très important. Jean-Paul II a dit, nous devons être prêts à endurer, nous faisons maintenant face à la confrontation finale entre l'Église et l'Anti-Église, entre l'Évangile et l'Anti-Évangile. Nous devons être prêts à endurer de grandes tribulations dans un avenir rapproché, des épreuves qui exigeront que nous soyons prêts à abandonner même nos vies et de faire un don total de soi au Christ et pour le Christ. Qui dit Christ, c'est pas... La religion catholique seulement, qui dit Christ, c'est l'homme, c'est la vie. Parce que le Christ, c'est la noblesse de l'homme, c'est sa dignité. Les droits de l'homme, ils sont là. La république maçonnique... Enfin, on en dis... parlera d'ailleurs en, en deuxième partie des enfin, Je suis pas spécialiste, mais oui. en tout cas, en troisième partie la déclaration des droits de l'homme, si vous voulez, d'une certaine manière... Ce sont des vertus chrétiennes devenues folles, comme dit le grand, le grand penseur Chesterton. Mais c'est issu du christianisme. Sans le christianisme, ça n'aurait pas pu euh, avoir lieu. Enfin, en tout cas, il y, a, euh, il y a là, je dirais, le cœur du combat. Et c'est pour ça que je parle d'urgence. Donc, bien sûr, que j'ai été ravie que vous me posiez toutes ces questions au début de l'émission sur mon enfance, sur ma vie. Mais comme j'en ai. Déjà, hélas, euh, enfin, déjà beaucoup parlé, si vous voulez. J'avais peur que on n'arrive pas Non, mais à... ça permet de comprendre votre cheminement oui. intellectuel. J'espère que j'ai quand même répondu euh, à vos questions. Bien sûr, avec plaisir. Pardon. Vous avez été très aimable <laughs> là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, euh, Jésus-Christ ou les robots, ou moi, ça me fait penser aussi à un sujet que vous n'avez pas abordé, euh, qui est l'intelligence artificielle. Alors, ça rejoint ce que je viens de dire. L'intelligence artificielle, beaucoup de gens. Euh, se euh, branche là-dessus, enfin... Mais l'intelligence artificielle, le, le danger, c'est qui, qui la, la, la contrôle en Exact. Fait. Parce que la machine en tant que telle... Comme elle est en train de contrôler l'homme, il hein. n'y a qu'à regarder en Chine. Voilà. Euh, les Chinois, je rappelle à nos auditeurs, sont mmh. surveillés par des millions de Absolument. caméras, et voilà. chaque geste est voilà. analysé voilà. et récompensé par un bon point ou pas, et qui permet à, aux, à la personne soit de voyager avec des réductions, voire à titre gratuit. Euh, etc. Ou d'aller en prison. Ou d'aller absolument en prison. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Hong Kong, les manifestants manifestent avec des parapluies à cause des caméras. <laughs> Personne s'est posé la question, mais s'ils manifestent avec des parapluies, c'est qu'il y a une bonne raison. Et des masques pour cacher leur visage. Nous, Pardon, je vous ai coupé la ben parole. Nous sommes, nous, nous sommes déjà dedans, même ici. Hein, ça me fait penser à Orwell, 1984, à Big Brother, oui. et à cette caméra qui est là partout. Et quelle est l'intelligence qui va être derrière C'est un antéchrist quelque part. Alors, en fait, oui, c'est ça. Pour moi, enfin, c'est pas pour moi, c'est évident. Ce livre commence par un passage de l'Apocalypse et se termine par l'Apocalypse. Se termine aussi, c'est vachement rassurant. Voilà. Et entre temps, mais c'est magnifique justement. Bah, je vous oui, en parlerai. Ça, bon. Bah, écoutez, en fait, il y a d'abord l'Apocalypse, ensuite il y a une parole de Sainte Jeanne d'Arc, qui, qui, voilà, et puis il y a ensuite. Ah oui, euh, blanc. Oui, c'est très joli d'ailleurs. Oui, blanc, blanc, blanc. Oui, euh, euh, ma bannière était blanche. Oui, il y, y avait votre, votre justement votre texte sur l'Apocalypse également. C'est vêtu d'un fin lin blanc et pur. On sent cette, ce côté pureté que, que vous avez recherché, qu'on retrouve dans certains passages de votre ouvrage. Il y a effectivement dans les textes d'Apocalypse le chevalier blanc euh, qui est le Seigneur, le Sauveur. Et il y a dans la phrase de Jeanne d'Arc Mon étendard était blanc en toile blanche. Il y avait dessus écrit les noms de Jésus-Marie, je crois. Mon étendard, je l'aimais plus, 40 fois plus que mon épée. Alors, Donc, Elisabeth euh, Lévy... non, Véronique. Une... Alors, Véronique, Lévy, Véronique Lévy, je, Lévy, pardon, tiens, à là là, alors, je alors, tiens à mon prénom. Hein, alors, excusez-moi, je tiens à mon prénom, c'est pas parce que c'est celle qui suit le, le visage du Christ. Sûr. Et je voulais parler des, des, des machines artificielles alors, en fait. qu'on fasse une pause, si vous voulez. Mais c'est vous qui allez la faire la pause, parce que vous avez écrit très joli texte, et je mmh. voudrais que vous nous en lisiez un. Et comme nous sommes à l'approche de la plus grande fête, vous avez parlé de la France, la plus grande fête, qui était la fête nationale de la France, la fête avant tout euh, de, euh, de la Sainte Vierge. Eh bien, je voudrais que vous nous lisiez ce, ce texte euh, à nos auditeurs du, écrit le 15 août 2016 et le jour de la fête de l'Assomption, évidemment destiné à la Sainte Vierge. Voilà. Ça oh. sera notre petite pause. Ô oh Marie. Je te confie les prêtres, qu'ils demeurent leur cœur enclos dans le tien, ou bas celui de ton fils, transparent de sa vérité seule. Ô oh Marie, je te confie la France, ses enfants prodigues. Ouvre le sceau posé sur leur cœur. Ô oh Marie, efface le chiffre de la bête, violant le sanctuaire. Ô Marie, veille en son seuil, toi, reine des myriades angéliques, chérubin, séraphin, domination, trône, vertu, archange, qu'un gardien veille à l'ombre de l'Éden, au lieu du repos inviolé, où l'âme épouse l'éternité. Merci beaucoup Elisabeth Lévy, j'ai marqué... Véronique. Un peu... Véron... Oh, excusez-moi, je vais me taper la tête, moi. Hein euh, je suis confus. Euh, de, 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 voilà, de cette double erreur. J'avais marqué un blanc exprès euh, après cette, euh, cette lecture de façon à... Euh... Voilà, parce qu'il n'y avait rien à dire après cela. Alors, Elisabeth veut dire maison de Dieu, et Véronique, c'est quand mais même un confus. mot, non, mais pas un mot codé euh, qui parle de celle qui efface le visage du Christ sur le chemin de croix et qui brave la violence euh, des soldats, le hurlement des, des juifs. Euh, des ju pour essuyer le visage de l'amour bafoué. Alors, mais attendez, oui. c'est aussi euh, un mot codé pour parler du linceul de Turin en fait. Hein, donc de la, de la sainte face du Christ. Et quelle est cette sainte face du Christ qu'on voudrait effacer de notre cœur C'est au cœur du génome, c'est ça. C'est-à-dire le voile de Véronique, c'est notre cœur, mais c'est aussi euh, cette Comment dire, ce lieu de la conception où est créé l'homme, dans l'altérité du don, justement. Alors, Véronique Et... Lévy, donc, je, je reviens sur votre ouvrage. Euh, votre ouvrage, il y a beaucoup de textes comme celui que vous venez de lire, euh, des textes qui sont à la fois très beaux, qui sont très poétiques également, qui sont, je sais que vous n'aimez pas ce, ce mot de ma part, très philosophique aussi. Il y a une vraie réflexion. Euh, vous nous faites vraiment réfléchir et vous nous rappelez un certain nombre de sujets, de thématiques qui sont évidentes pour essayer de nous réveiller en quelque sorte. Euh, quel est le message finalement que vous souhaitez faire passer à travers cet ouvrage On a bien compris que tout le monde se réveille, qu'il y a une conversion. Est-ce que vous pensez qu'à travers cet ouvrage, la conversion peut se faire ou un début de conversion, de réflexion peut se faire je n'en sais rien. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits avant moi et qui le seront après. C'est un, Mais une goutte d'eau. C'est un cri. C'est un cri. C'est un cri venant d'une convertie, venant d'une convertie donc quelqu'un qui n'est pas né dans la famille traditionnelle française, pour dire que la France est et restera, qu'elle le veuille ou non, la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire qu'elle a une vocation sacerdotale au cœur de l'Église au cœur de ce corps de l'Église dont elle est euh, le cœur justement, la France. Et pourquoi, euh, je l'ai dit tout à l'heure, ses origines, hein, c'est-à-dire que l'évêque, le, prim, le primat des Gaules, hein, l'évêque de Lyon, le premier évêque de Lyon, euh, Saint Grégoire de Nice, tient, euh, tient son apostolat de Saint Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean, qui a vécu chez Marie, dans la maison de Marie, et qui prend Marie dans son cœur. Donc, ça veut dire que vous m'avez fait lire un texte de Marie. La France, elle a cette vocation-là d'être de veiller à ce que l'homme euh, reste l'homme. Parce que la guerre dont je parle, qui est une guerre virale contre l'homme, elle se précipite aujourd'hui. On peut plus dormir, on peut plus faire comme si. Et je regrette parfois, à part certains évêques. Euh, haussent le ton et disent les choses, enfin sans hausser le ton, mais disent les choses, comme Mgr Petit, comme Mgr Ginou, à qui j'en rends hommage ce soir, et bien d'autres. Mais aujourd'hui, euh, il faut absolument le temps presse, le système dont vous aviez parlé tout à l'heure, qui est le système du big data, mais pas seulement. Le système de l'antéchrist, c'est un système, euh, c'est un homme né de l'homme et non plus né de Dieu. Et ça veut dire que tout est possible entre les mains de certaines d'une certaine oligarchie qui va un jour créer des hommes euh, qui seront euh, des hommes vous de l'avez évoqué des robots euh, des chimères des hommes animaux des hommes faits pour comme dans comme dans le meilleur des mondes où il y a les les alphas les les epsilon qui sont des hommes euh, qui sont déterminés à faire les travaux dont personne ne veut donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce livre j'ai aussi voulu rendre hommage à ce, au christianisme, je veux dire, qui est l'éveil de l'homme, qui est l'accomplissement de l'homme, et à la France aussi, qui l'a si bien servi, et qu'elle le veuille ou non. Euh, quand, quand saint jean paul II disait France, qu'as-tu fait de ton baptême France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, c'est ça la vocation universelle de la France. Elle la doit au Christ, elle la doit au christianisme. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire passer le christianisme comme une religion de bourgeois, parce que peut-être aussi certains catholiques se sont enfermés dans un ghetto et dans une espèce de déconnexion avec la réalité. Mais c'est tout sauf une c est, c est pas une religion. Alors... C'est bien plus que ça, c'est une communion, c'est une résurrection, c'est... Euh, c'est une résurrection, vraiment. Et c'est euh, lève-toi et marche. C'est ça le christianisme. Et aujourd'hui, ce christianisme, il devrait enflammer la terre. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, comme Farida Belghoul, à hein, qui je rends hommage ce soir, que j'ai rencontrée devant le CHU à Reims, et qui s'est battue à mes côtés pour euh, que Vincent Lambert vive. Donc il y a des gens comme elle qui ne sont pas forcément baptisés, mais qui ont cet amour chevillé euh, au cœur, cet amour de de Dieu et cet amour de l'homme, cet amour du plus petit, cet amour du plus fragile. Farida se bat pour que les enfants ne soient pas retirés à leurs parents, pour que, enfin, entre autres, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la ligne de démarcation, elle est là. Il y a les collabos, les collabos, je dirais, qui, qui, qui ne se battent pas pour que l'homme, justement, soit libre et seul Dieu donne cette liberté. Cette liberté qui fait que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et non pas à l'effigie du consumérisme et non pas au créa au chiffre de la bête et au système de l'antéchrist. Nous avons été créés à l'icône, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je porte ce prénom Véronique pour tendre ce voile justement <laughs> et pour que tous nos cœurs dirent aux hommes Tendez vos cœurs comme un voile pour que s'y imprime le cœur de Dieu. Le visage de dieu l'immaculée conception c'est cela quand on parle de l'immaculée conception de marie évidemment marie est née d'un homme et d'une femme c'est dire qu'elle n'a pas été simplement marquée par le péché originel et ça veut dire quoi ça veut dire que c'est tel que nous étions au paradis terrestre mais c'est tel que c'est toujours dire qu'il y a ce lieu en nous inviolé, inviolable, qui est justement ce lieu de la conception qu'aujourd'hui, toutes ces lois bioéthiques essaient de bafouer, essaient de profaner. Et le prophète Daniel, il en parle, Saint Matthieu en parle, le Christ en parle. Quand le Christ dit, détruisez ce, ce temple, et moi je le rebâtirai en trois jours, et qu'on nous précise que ce que ce temple a été bâti en 46 jours, c'est le chiffre exact des chromosomes du génome humain. Tout y est, je veux dire. Aujourd'hui, nous sommes dans ces temps qui sont les derniers, dans les temps apocalyptiques, parce qu'on veut défaire l'homme, on veut défaire le le pas seulement par les lois eugénistes, mais par l'invasion, in, l'intrusion dans ce lieu de la conception, que ce soit par des lois de sélection, de tri sélectif, des lois eugénistes, que ce soit par le clonage, que ce soit par l'avortement. Donc la PMA, c'est évidemment catastrophique parce que par la PMA, j'en parle parce que c'est d'actualité, il y a des embryons surnuméraires qu'on congèle et qui servent à la recherche, à faire des vaccins. À la recherche scientifique, à la recherche parfois de laboratoires aussi euh, de crèmes, de beauté, de choses comme ça, euh, pour faire des vaccins qui servent, euh, qui servent aussi bon parfois à être réimplantés, mais parfois souvent qui sont aussi destinés à la destruction pure et simple, et qui servent aussi aux recherches sur le clonage, puisqu'on prélève des cellules souches sur ces embryons et on fait euh, des, on essaye de créer des clones. Donc, c'est les apprentis des murs dont je parle de ce livre, dans ce livre. C'est euh, le prince de ce monde. Et aujourd'hui, j'espère je, oui, que ce livre éclairera un petit peu, euh, pourra peut-être éclairer un petit peu des consciences. Parce que moi, je n'ai pas fait d'études. C'est le cri du cœur, c'est le cri de la prière. Parce que la prière, c'est ce lieu où, où on doit être à l'écoute, en fait, de, de, de l'amour et de Dieu. Alors, votre ouvrage, je vous demandais comment est-ce que vous le définissiez. Euh, vous le définiriez Moi, je le définirais de la façon suivante. Euh, pour moi cet ouvrage c'est un cri mais ce n'est pas un cri pardon c'est un cri en trois en trois le premier cri c'est celui de la colère euh, vous dénoncez un certain nombre de choses euh, le deuxième cri c'est pour alerter vous voulez alerter euh, euh, vos lecteurs de certaines choses qui se passent qui existent qui se font et le troisième c'est le plus beau à mon sens c'est un cri d'amour euh, un cri d'amour, évidemment, on se doute vers qui euh, Vers le Christ, vers la Sainte Vierge. Euh, vers les hommes. Vers les hommes aussi, absolument. Vous les avez trois raison. sont liés, hein, pardon. Il n'y a pas la colère, l'amour. Ah, mais les, les, les trois les, sont profondément les, liés. C'est pour ça que j'ai oui, dit, oui. qu dit, dit, dit un cri. Et qu'après mmh. j'ai dit, j'ai pas dit trois cris, j'ai dit un cri. Et après, j'ai dit qu'il se en plusieurs, euh, voilà. ou qu'il y avait trois, oui, trois oui, parties. Oui, oui tout à euh, fait. Tout à fait. Dans votre, vous avez, je, je vois, vous êtes arrivé donc et, et également avec votre ouvrage. Vous avez mis des petits post-it <laughs> et je voudrais savoir si euh, vous l'avez fait volontairement pour, avec le souhait, le désir de lire euh, un texte en particulier ou pas. Pas spécialement, je crois que j'avais mis ces post-it pour une autre émission et euh, pas pour, euh, pas pour la nôtre. Est-ce qu'il y a un texte là où je veux en venir en vrai, c'est est-ce qu'il y a un texte qui vous tient particulièrement à cœur euh, que vous voudriez nous lire J'ai du mal à choisir moi-même un texte, donc je préférerais que ce soit vous qui le choisissiez, si ça ne vous dérange pas. Et alors la... Et... Oui. Il y en a un que j'aime bien, mais je préférais. Non, je préfère que ce soit si, vous. Si, si, allez allez-y. Non, veux, allez parce que je préférais vraiment que, que ce Il si, y que j'aime bien. Si, allez-y, je veux non, savoir. Moi, je vous ai montré celui que j'aimais bien. À vous maintenant. Oui, mais peut-être pour changer, prendre un texte un peu plus, euh, je dirais. Euh... Celui que vous aimez bien sera le bienvenu. Je doute qu'il y en a quand même plusieurs que vous aimez bien, mais c'est pour vraiment comprendre votre personnalité, votre... J'ai bien appelé cette émission histoire d'une âme. Bon, bah ben écoutez, je vais en lire un sur la France peut-être, allez. Ô France, ton cœur battait au son des cloches de leur enfance. Le cœur des saints et des saintes, des gueux et des fous, des preux et des catins, des chevaliers et des bandits des chemins perdus, des châtelaines. Des troubadours, tous s'effaçant sous la bannière de la croix, au soleil de Jérusalem, tous ne formant qu'un cœur immense greffé à ton cœur, Jésus. Et aujourd'hui, ils t'ont découronné, les bourgeois et les marchands des illusions de la mort, car tu es la vie et le dieu, et le dieu des armées de l'amour. Et ni la vie ni l'amour ne s'achètent, ni ne se volent. Ils se reçoivent de celui qui est notre pardon. Ils reviendront. J'entends déjà leur cœur qui s'éveille. Ils reviendront du milieu des décombres et des ruines, des ruines de Babel et des idoles. Et tu guettes, Seigneur, le murmure du dégel de leur cœur je marque encore un, un blanc. Hein, véronique lévy, euh, après cette très belle lecture. alors, cette lecture finalement, elle nous fait penser immanquablement à des grands auteurs comme bernanos, comme claudel, comme mauriac. est-ce que, finalement, vous n'avez pas puisé votre, votre source, votre euh, oui, votre source d'écriture à travers ces, ces grands auteurs? Alors il est vrai que ma mère, vous parliez d'elle tout à l'heure, avait une bibliothèque absolument gigantesque, qu'elle était amoureuse de la France, ma maman. Et euh, elle avait effectivement tous les auteurs inimaginables. Ça allait de Peggy, Mauriac, Bernanous, euh, Villon, euh, enfin tous les auteurs euh, les plus hétéroclites d'ailleurs. Et donc effectivement il y a eu peut-être... Euh, Bernanous je ne l'ai lu que très tardivement et après la sortie de ce livre. Mais euh, Mauriac hein, m'avait euh, marqué parce que chez Mauriac, il y a toujours cette histoire de rédemption, qui est très présente, euh, de personnages qui souvent sont dans la, dans la haine, enfin hein, sont enfermés, en tout cas dans des sentiments très négatifs, et, et, et Dieu toujours les appelle, et leur pardonne. Enfin, leur pardonne, les appelle. Les appelle à la conversion. On ne peut être pardonné qu'après que, qu conversion que si on, on veut être pardonné, qu'il y a quand même cette contrition. Et c'est vrai que dans, ce dans mon livre, il y a ces personnages aussi qui hantent mon livre, les robots, Jésus-Christ ou les robots, comme cette djihadiste, comme la fémène qui s'est suicidée, tous oui, ces personnages, courrage, voilà, comme le chanteur Medine, c'est autre chose, parce que ce, ce chanteur dit parfois, euh, bon, enfin, c'est encore autre chose, on a... mais en tout cas, des personnages qui paraissent... Oui, le chanteur du coup aussi, à la périphérie de l'église qui paraissent. En tout cas, pour le. Mais surtout, ce sont des personnages qui sont. qui semblent, alors non, Je, je mets à part le chanteur Médine, en tout cas pour la djihadiste. C'est un personnage qui est absolument. On ne peut pas comprendre. Et dans cette lettre, j'ai essayé de dire que peut-être tous ces djihadistes sont comme le miroir inversé d'une société. Qui elle-même est une société meurtrière, mais de manière, euh, je dirais, un totalitarisme invisible, en gamblant comme le dit le pape François, hein, qui finalement est embringué dans ces contradictions. cest que nous sommes contre la peine de mort, mais les mises à mort sont remboursées par la sécurité sociale, les avortements, etc. Euh, on parle de libération de la femme, mais aujourd'hui, on combat le voile, mais on n'est pas du tout choqué de voir sur les affiches du métro une jeune fille prépubère qui roule une pelle à un gorille et qui y est la publicité d'un album de musique, je ne me rappelle plus le nom d'un groupe connu. Toutes ces contradictions schizophréniques créent des enfants eux-mêmes, ce n'est pas pour excuser du tout, mais créent aussi une espèce de ce qu'un grand mystique, un prêtre mystique appelle un brouillard, un mé le méchaume, comme le dit le... Le prophète Daniel, qui est une espèce de brouillard, qui fait que la sainte paternité de Dieu est bafouée, On crée des hommes errants à la dérive, et dans cette société-là, elle produit des monstres. Elle produit des êtres qui euh, cherchent l'absolu et qui vont se fourvoyer euh, dans des chemins, euh, euh, dans des chemins euh, qui, qui sont des chemins extrémistes et, et, et voilà, parce que la vraie radicalité, elle est dans et ils les évangiles. sont pilotés un peu à vue, un peu comme des robots. Voilà, et qui sont, pour... sont pilotés par voilà. des messages, ils sont pilotés par des... Des, des désirs, ils sont pilotés, ils sont pu voilà. de même. La fémène, par exemple, qui s'est suicidée, cette fémène, au départ, euh, elle disait, quand elle a voulu euh, que les fémènes se, se retrouvent les seins nus, elle disait quoi de plus fragile qu'une femme nue Il faut dire que cette fémène, Oksana Oks Ochenko, elle était au départ, euh, elle écrivait des icônes déjà très petites, de manière précoce, dans un monastère euh, euh, en Russie, euh, enfin en Ukraine, et elle voulait être moniale. Et puis, elle a renoncé à tout ça, et elle a... Elle avait toujours cette soif d'absolu qui était chevillée au, co au corps. Et malheureusement, alors, au départ, elle était pour la libération. Enfin voilà, elle mais ce qu'il y a, c'est que le, elle s'est fourvoyée là encore et son mouvement a été totalement récupéré par euh, par euh, quelque chose de systématique et de consumériste dans lesquels voilà les c'est devenu quelque chose d'épouvantable et de complètement stéréotypé et ces femmes qui se battent pour contre le patriarcat sont manipulées par une société totalement patriarcale quand elles miment un avortement à la madeleine ou quand elles, elles cogne sur les cloches de notre-dame elles ne se rendent pas compte qu'elles cognent sur la fragilité du christ sur ce lieu euh, sur la virginité de Marie qui est, et sur l'immaculée conception de Marie, qui n'est pas euh, un, une féminité imposée par le patriarcat, qui est tout le contraire, la féminité libérée de toutes ces, injonc de toutes ces injonctions, justement euh, patriarcales, qui est une féminité libérée euh, d'une ingérence de la médecine, de loi, euh, de loi qui voudraient enfermer la femme dans quelque chose de complètement. Euh, enfermer la femme en fait et la conditionner justement. Et, et le corps de la femme justement euh, ne peut pas être abandonné aux mains des médecins, aux mains de la République qui voudrait légiférer sur ce corps. Elle est, il est à Dieu. Et le corps de l'enfant dans le ventre de la femme n'est pas son corps, il est le corps d'un autre. Donc voilà. Euh... Véronique Lévy, euh, ce cri, donc, il est dans votre ouvrage. Ce cri, je suppose que vous devez l'avoir dans votre entourage. Question un peu indiscrète, vous avez le droit de me dire stop. Est-ce que ce cri, vous n'avez pas envie de le partager avec votre famille et notamment avec votre frère Écoutez, j'ai une page qui est publique. Il peut lire parce que je suis très peu en contact avec lui. Et quand je, quand il m'a, quand, quand, quand je suis, en, quand je le, quand je l'ai au téléphone, je lui en parle, bien sûr. Je, je Donc suis... il y a quand même un échange. Rare, mais ça peut avoir lieu. Cela, c'est du domaine de l'intime, je pense sais pas ça peut non, avoir bien lieu sûr, une fois non, par non, an. Quand il y a cet échange, je lui en parle, bien sûr, je tente de l'alerter. Je tente de lui dire, euh, d'abord je prie pour sa conversion et je, je lui dis euh, que le véritable judaïsme, ce n'est pas le Talmud, ce n'est pas la Cabale, c'est le judaïsme de la Première Alliance. On, on, peut, on, en, on enlève même le mot judaïsme, qui à l'époque, les, les personnes, les patriarches et les saints prophètes ne se définissaient pas en tant que juifs, ils se définissaient en tant que peuple de Dieu. Et cette, cette alliance s'accomplit dans les évangiles. Donc quand, on dit, quand il est dit le salut vient des juifs, ça veut dire le salut vient du, du, du Christ, vient des chrétiens. Le, le judaïsme talmudique et, et kabbaliste, kabbalistique, c'est autre chose. Il s'est construit après le, le, le christianisme, contre le christianisme. Enfin, parallèlement, mais contre, on va dire. Hein. Je suis pas une spécialiste. Après, il ne faut pas leur jeter la pierre. Il faut prier pour leur conversion parce qu'ils sont tous attendus dans l'Église, qui est le véritable Israël. L'Israël de toujours, c'est l'Église. Et ça n'est pas une théorie de la substitution, parce qu'aujourd'hui, depuis le Vatican II, on a un petit peu peur de, de parler d'église de, 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 étant le véritable Israël. Ça n'est pas se substituer à la promesse que de dire ça. C'est accomplir la promesse et c'est reconnaître Jésus-Christ comme unique sauveur. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont bannis. Ça veut dire qu'ils sont appelés à rentrer dans, dans cette église, dans, dans cet Israël véritable, quelle église. Et au contraire, leur dire, euh, dire que, que le, 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 comment dire, Dire que l'amour de Dieu est sans repentance, ça n'est pas confronter, conforter les Juifs d'aujourd'hui dans, dans, une, dans, une, dans une erreur. C'est leur dire au contraire, parce que le Seigneur vous aime, rentrez dans cette, dans cette promesse, dans cette promesse qui s'accomplit dans les Évangiles. Alors aujourd'hui, bien sûr, l'Église n'est pas toujours à la hauteur de cette promesse. Les catholiques, c'est très dur d'être à la hauteur de cette promesse, évidemment. Elle ne l'est ne pas euh, toujours. Comme disait Sainte Jeanne d'Arc encore une fois, de quelle église parlez-vous De l'église de la terre ou de l'église du ciel L'église, ce n'est pas seulement l'institution, c'est l'église de Pierre qui a renié Jésus quand même trois fois, mais c'est aussi l'église du ciel et c'est surtout l'église du ciel, l'église de la communion des saints, l'église... Euh, euh, vous avez très gentiment dit tout à l'heure que vous aimeriez euh, parler de ce livre en l'intitulant Histoire d'une âme. C'est plutôt le premier livre qu'on pourrait appeler comme ceci, euh, Montre-moi ton visage, ça me touche beaucoup parce que ça fait référence à l'ouvrage de Thérèse de Lisieux, qui est une, la sainte patronne de la France avec, euh, avec Sainte Jeanne d'Arc, et je leur rends hommage toutes les deux. Euh, C'est ça la France pour moi, et j'ai cet amour de la France, il est vraiment euh, il est inscrit dans, dans, dans mon corps, hein, vraiment, dans mon cœur et dans mon corps, dans mes, dans mes yeux, dans ma dans mes oreilles, c'est un son particulier de cloche parfois dans les campagnes où j'ai été beaucoup à la campagne petite. C'est une couleur spéciale du ciel, c'est un parfum, euh, un parfum du pain très tôt le matin, le même parfum de pain d'ailleurs qui a accompagné le, la mort de ma maman à l'hôpital, au moment où elle a fermé les yeux, il y a eu cette odeur de pain chaud qui s'est répandue dans toute la pièce, et il n'y avait pas de four à pain, il n'y avait pas de boulangerie, c'était à la salpêtrière. Dans, qui est une ville dans la ville. Et j'ai vu ça comme euh, un clin d'œil du Christ qui nous dit euh, ⁇ Je suis le pain de vie ⁇ qui me goûte ne goûtera jamais la mort. Enfin, je parlais d'échanges que vous avez pu avoir avec votre frère. Est-ce qu'avec votre maman également, vous avez pu avoir des échanges sur votre, euh, votre foi Quand, euh, Avec ma mère, peu, parce qu'à l'époque... Euh, avec ma maman peu parce qu'à l'époque j'étais pas encore euh, baptisée bien évidemment j'étais pas encore rentrée dans l'église donc euh, peu mais ma mère me citait parfois des phrases étranges du genre quand je faisais une bêtise elle me disait attention mais tu pleureras des larmes de sang elle me disait aussi euh, tu vois euh, la paille qui est dans l'œil de ton de ton frère mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil donc elle, elle citait parfois les, les Évangiles parce que nous étions en France, tout simplement, et que, qu'on le veuille ou non, ça fait partie du code génétique de la France, le christianisme. Absolument. Et moi, je suis allée jusqu'au bout, j'ai demandé le baptême. Donc, en cela, je suis absolument française. Et joli, <laughs> ça, ça c'est très joli. Ça serait presque un beau, joli mot de conclusion. Alors, je voudrais lire, malheureusement, nous n'avons personne aujourd'hui pour prendre les messages. Mais par contre, nous avons euh, Internet. Vous voyez, l'intelligence voilà. artificielle <laughs> est là, oui. mais pour la bonne cause cette fois-ci. Euh, et donc, un auditeur nous écrit euh, Bonsoir, Madame. Bonsoir, euh, euh, Monsieur. Bonsoir, Radio Courtoisie. Merci pour cet émouvant témoignage qui me pousse, même à mon âge avancé, à lire votre vie, livre et à le faire partager à mes enfants. Bravo, Monsieur, d'avoir évoqué euh, d'avoir provoqué pardon, cette invitation vitale. Je lis le mot vital. Euh, alors nous remercions évidemment ce cher auditeur et j'en profite du coup pour rappeler le titre de votre ouvrage, Véronique Lévy, Jésus-Christ ou les robots. Et, euh, évidemment, euh, titre qui peut surprendre, mais quand on lit et quand on découvre votre ouvrage, on comprend très très vite, euh, aux éditions du CERF. Et c'est un ouvrage qui, que vous avez euh, édité il y a très peu de temps. Donc, c'est vraiment à découvrir et c'est encore vraiment doublement actuel. Actuel parce que bah, vous l'avez dit, c'est un cri, c'est un cri qui est urgent, etc. Mais même, vous avez pris des références qui sont très actuelles euh, puisque vous avez terminé de l'écrire euh, en fin 2018. Oui, j'ai par ailleurs une page Facebook où j'écris régulièrement des textes, ce qui, qui est comme un livre à, à cœur ouvert, hein, je dirais, qui interagit aussi un petit peu avec les. les, les avec les gens qui peuvent parfois commenter, parfois certaines réflexions. D'ailleurs, dans ce livre, il y a une réponse à un musulman, un jeune homme musulman, qui m'a posé une question via Facebook en me disant, mais c'est quoi la Trinité C'était d'ailleurs une question tout à fait innocente. Il voulait que j'essaye de m'approcher de ce mystère parce qu'il ne comprenait pas. Et euh, ça a donné un texte que j'ai mis dans ce livre. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, il y a aujourd'hui, c'est très important, euh, plutôt que d'instrumentalité, d'instrumentaliser les divergences, les divisions au sein de la société, c'est d'informer et d'annoncer le Christ. Voilà. Alors, Elisabeth Lévy, Véronique. Oh, mais dis, je ne sais pas quoi, pourquoi, c'est pas oui, possible. C'est pas grave. Bon temps, Véronique, Véronique souvent. non, Véronique. Je suis confus. Euh, euh, pour, pour ce lapsus, le, le, vous avez écrit, euh, un, vous avez parlé de votre maman tout à l'heure, et vous avez écrit un très beau texte en, en fin d'ouvrage euh, qui s'appelle Aux maman, et j'aimerais que vous puissiez nous le lire, s'il vous plaît, Véronique Lévy. <laughs> On assassinera l'Elisabeth ah oui. Lévy qui existe, qui est en non. médiatique comme ça, on n'entendra ah. plus parler de son prénom. Non, mais ce ne serait plus je c'est absolument confuse. mais alors. Elisabeth, c'est quand même la cousine de la Vierge Marie. Absolument. Donc, bon, problème. alors, chère alors, Véronique Lévy. C'est un texte que j'ai écrit, donc, euh, qui s'adresse à la Vierge Marie. Et il y a une... Euh, une mais liste. vous parlez de votre maman. Mais je parle aussi de ma, ma, de ma mère. Euh, de votre autre mère. Oui, mais là, c'est... Voilà. Alors, ô oh, maman, si on me demandait ce qu'est la France... Je répondrai. C'est le parfum du pain attendant sa présence. Les douces roses étoilées de ta couronne au ciel d'un cœur de cendre. C'est une cantilène, douce comme la laine, blottie contre ton sein. C'est le bal dépendu où les os s'entrechoquent, pleurant sous le désir du vent, leur repentir. Les vers de vilons et grenons, les avait au rosaire du bon larron. Ce sont les neiges d'antan espérant sous la terre, aux sources des montagnes, l'éveil de son printemps. Et puis, je le murmure au creux de ton oreille, ce serait toi, maman, qui me parlais du roi du ciel, de ses larmes de sang s'écoulant de ses grands bras ouverts, comme des ailes étendues sur tes enfants malades. Merci beaucoup Véronique Lévy. Euh... Je parlais de Marie quand même. Il oui, y avait des références à ma absolument, mère. Absolument, mais... il y a des références à votre maman. On oui. la devine, ce parfum de pain, Voilà. Exactement. suite à ce que vous nous avez raconté. Oui. C'est pour ça que je, ça transparaît. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais que vous nous exactement. lisiez ce, ce très joli... Poème, puisque pour moi c'est vraiment de la poésie. Euh, on parlait donc de. Nous, par, nous avons parlé de, de poésie, nous avons parlé de philosophie, j'ai même parlé de politique, puisque quelque part euh, c'est un engagement presque politique. Euh, et notamment, vous vouliez parler de Vincent Lambert. Oui. Et je, on, nous allons terminer par cela, parce que vous m'aviez demandé oui. à parler de Vincent Lambert. Alors, en fait, quand on dit politique, c'est-à-dire un engagement dans la vie, euh, dans la vie de la cité. Ah, de la, hein, la cité, de la absolument, cité. au sens propre du terme. Et euh, je ne sais plus qui disait que tout mystique euh, finit par faire de la politique. Non pas dans le sens que moi je, suis pas, je ne fais pas de politique, je ne, me, je ne supporte plus les dénominations droite, gauche, etc. Ceux qu'on traite parfois d'extrême droite, en tout cas je le dirais, sont les gens les plus sont défendent parfois des valeurs, euh, des vertus euh, plus exactement, pas des valeurs, qui sont euh, justement des valeurs, des vertus, d'humanité. Euh, donc euh, parler des frontières d'un pays, par exemple, c'est parler des frontières d'un corps aussi, c'est parler d'une peau. ce n'est pas être identitaire que de que de, entre guillemets, que d'être pour l'identité. Parce que quelqu'un qui n'a plus d'identité, euh, il se perd. Et, et on tombe dans le totalitarisme et dans le mondialisme qui globalise tout au lieu de discerner. Euh, L'universel distingue euh, l'altérité de l'autre. Pour, pour être pour garantir l'altérité, il faut justement pouvoir séparer, c'est-à-dire nommer et donc permettre ces identités d'exister. Alors pour Vincent Lambert, oui, euh, c'est une histoire qui m'a profondément touchée. Parce qu'elle, je dirais que dans cette, dans cette tragédie s'incarne euh, cette cette guerre cette guerre de, de, apocalyptique en fait qui, qui voudrait justement euh, qui voudrait justement faire un tri eugéniste ce triogéniste, il n'était avant fait in utero, donc Vincent Lambert est comme la partie visible de cet iceberg qui est déjà là depuis, depuis la loi Veil et puis depuis toutes ces lois bioéthiques sur le clonage et sur les expériences, sur les embryons sur numéraux, etc. Et ce qui m'a choqué dans l'histoire de Vincent Lambert, c'est cette propagande des médias qui eux-mêmes obé obéissent à des mensonges qui sont là sur le plan législatif, sur le plan médical, évidemment sur le plan médiatique. On jette la pierre aux médias, mais en deçà des médias, c'est le mensonge législatif avec la loi Leonetti qui finalement nous dit que l'alimentation et l'hydratation ne sont plus des soins de nursering, mais des, un traitement, un traitement d'acharnement. C'est du délire. C'est du délire. Et cette loi Leonetti nous parle finalement que. De, enfin, ce sont les médecins qui vont, qui vont décider de la vie ou de la mort d'un patient, finalement. Parce qu'avant, ben, le, le malade, je dirais que c'est la famille qui pouvait décider. Aujourd'hui, la famille ne peut plus décider. On voit que le médical agit dans la famille, fait une intrusion dans la famille, et que, au delà du médical, l'État lui-même, puisque Madame Marisol Touraine, en 2013, avait demandé au docteur Cariguer du CHU de Reims de euh, faire opposition euh, à la loi du tribunal de Chalon-Champagne demandant de réalimenter Vincent Lambert et de le réhydrater et que ensuite Madame Buzyn après le 20 mai 2019, demande, se pourvoit en cassation, enfin l'État se pourvoit en cassation pour s'opposer à la décision de la Cour d'appel qui obéit aux injonctions de l'ONU demandant là encore l'hydratation de Vincent Lambert. Or, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans On nous dit finalement que Vincent Lambert, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. On nous fait croire qu'il est sous acharnement thérapeutique, c'est-à-dire branché à des machines dans le coma. Or, il n'est branché à aucune machine, il est simplement dans un état post-relationnel et on refuse que Vincent Lambert, on a refusé que Vincent Lambert soit transféré vers des centres de soins pour possibles relationnels qui étaient prêts à l'accueillir comme le petit Alfie en son temps. On a, pas re on a refusé qu'il soit transféré dans un, dans une clinique du Vatican puisque le pape était prêt à l'accueillir. Donc là, on voit que c'est des intrusions de l'État. Aujourd'hui, l'individu n'appartient plus à sa famille, ne s'appartient plus lui-même en fait. Non, il s'appartient Toujours. Dieu est plus fort que tout, mais en tout cas, on voudrait que l'individu n'appartienne plus à la famille, ne s'appartienne plus, n'appartienne plus à Dieu. C'est la sainte paternité de Dieu qui est attaquée au-delà de la paternité euh, et de la famille, et au-delà de l'intégrité du cœur et du corps. Et c'est l'État qui, tout à coup, euh, intervient. Et on, on parle de démocratie. Non, nous sommes dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom. Et ce régime totalitaire, c'est un régime international, et c'est. C'est le système de l'antéchrist. Voilà. Merci beaucoup, Véronique Mais Lévy. Mais Dieu est le plus fort. <laughs> Merci beaucoup, Véronique Lévy, pour, pour ce cri, euh, puisque cet ouvrage est un cri. un cri, en un, trois cri articles, comme un cri d'espérance. Et à la fin, en effet, voilà. un cri d'espérance.